Habib, mon cher ami, sache que les spaghettis bolognaises, c'est délicieux. Oh là, je joue au jeu vidéo, là, dis donc. On dit de plus en plus n'importe quoi, attention. Allez, Habib, on se concentre pour Habib. On se focus, on te remercie. Tiens, on s'écarte, on change. Ok, merci de suivre nos vidéos, Habib, ça fait très plaisir. Non, mets-toi face à Habib, c'est plus respectueux. C'est bien plus logique. Oh, les cheveux, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Je te remets ça. Hé, hey, Habib! Une vidéo juste pour toi, une vidéo personnalisée, ça nous fait kiffer, on espère que ça te fait kiffer aussi, on t'embrasse mon pote. Habib, est-ce que tu as lu la Bible? Adrien, hé, Adrien! Pah! Puf! Quiche! Ouais. Tom! Ouais, hey! Puf! Adrien. Adrien, c'est pour toi, ouais, cette Adrien. Vidéo dédicacée. Pour te dire que, bah pour te dire merci en fait. Ouais, surtout, tout simplement. C'était ça le concept. Merci d'avoir cliqué, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme on fête nos deux ans, ta gueule. Comme on fête nos deux ans, et bien nous en retour on vous offre ce cadeau, cette vidéo dédicacée. J'espère que ça te plaît. Tu peux le tutoyer, tu peux le tutoyer. J'espère que ça te plaît. Tu peux le tutoyer. Tu peux le tutoyer. Oui, parce qu'on fait des vidéos pour tout le monde. Tu peux le tutoyer. Allez mec, allez. Okay. Donne-lui un truc. Adrien, merci et pas trop de produits laitiers. Voilà, je te conseille pas trop de produits laitiers au quotidien de temps en temps, mais pas trop. Voilà, je te conseille. Adrien, on peut pas ne pas te faire, toi, mon cher Adrien, qui va très bien. T'es toujours à l'aise dans tes souliers, t'es toujours souriant. Et si tu n'es pas souriant aujourd'hui, sois-le, car cette vidéo est juste pour toi. Tu as le droit de dire, parce qu'on dit souvent Adrien ne dit rien. Mais non, Adrien dit. Aujourd'hui, Adrien, tu parles et tu dis ce pas, que tu as pardon, sur le cœur. Pardon, non, mais, je ouais. sais. Ouais. Personne ne dit ça. Je sais que personne ne dit ça. Je sais que toi, j'essaie de trouver une idée. T'étudies ça, ça t'intéresse, ok. Mais personne ne dit ça. Alors... J'essaye de trouver quelque chose, mais en tout cas, sache que si un jour t'as pas envie de le dire, tu le dis. Voilà, c'est comme ça. T'es pas obligé de péter la table. Non, pas obligé. Mais En plus, ouais, j'ai un peu abîmé quand même. Mais, oh non, t'as pété le mug, non. Putain. On t'apprécie, voilà, merci beaucoup. C'était McFly et Carlito, en direct de... Beson. Pas du tout. Akila. Eh, hey, y'a qui là? Non mais mec, tu vas faire ça... Non mais j'essaye de trouver... Akila, va voir les autres prénoms, tu vas voir qu'à chaque fois il fait ça. Bah, pas à chaque fois. Non mais... Non, bah non, pas à chaque manière, fois. Putain, quand tu discours comme ça, quand tu parles, c'est évidemment que t'es pas dans la précision. Akila, on pense à toi. C'est pas de la science on quand a tu pas parles. Oublié. On n'a pas oublié qui tu étais, et qui tu es, et qui tu seras. T'es une très belle personne, d'ailleurs. Sauf la fois où t'avais mis ce slip qui était ça, pas un bon slip qui était un peu sale, ouais, notamment. Donc pense juste à laver tes affaires. Sinon, cool. Mais sinon, trop bien, Akila. Des Hakim, il y en a plusieurs, mais un Hakim, il n'y en a qu'un. Bon, celle-là, elle est vraiment absurde. Une vidéo pour toi, Hakim. A l'envers, ça fait Mika, mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, on t'aime, c'est le concept de cette vidéo. Juste t'envoyer de l'amour, t'envoyer de la joie et du positif, beaucoup de positif, parce que nous, on en a beaucoup, donc on se décharge. Ouais, on donne 3%. 12. 200. Toi, on donne 200% wow, de joie. 200, ouais. Okay. Excuse-moi, j'avais la bouche pleine, mais je mange. Et n'oublie pas de manger également, c'est hyper important. Qui n'a jamais eu la bouche pleine un jour? Salut Hakim, on t'embrasse très fort. Amara. Bonsoir. À mon cœur, tu t'amarras et ton bateau ne chavira pas. Tu vas bien? Pas mal, non? Petite vidéo, c'était très joli. Petite vidéo spéciale pour toi, on t'a pas oublié toi non plus. McFly et Carlito seront toujours là, sauf le mardi. Et le mercredi matin où je suis pas hyper dispo, faut que j'amène ma fille. Mais t'avais dit qu'on faisait plus court. Ouais, pardon, bisous. Ahmed, c'est Carlito tout seul, juste pour toi, c'est Carlito mon pote. Voilà, pour te dire, vidéo, on a décidé de te faire une vidéo à toi. Elle est là, elle est pour toi. Tu l'enregistres ou tu la regardes sur n'importe quel support. Salut Ahmed, c'est McFly. Pour te dire qu'on t'aime, qu'on te kiffe, mon frère. Et voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Ce petit message positif, comme une flèche de bonheur dans ton... Ah, dans ta nuque. Bisous, Ahmed. Hamid, hey. Tu es mon ami, quoi. Non, hey, Hamid, j'espère que tu n'es pas le pire, Hamid. Wop, wop. Wow. C'est horrible. C'est pas drôle et il n'y a pas de lien, il n'y a pas de sens. Il y a un petit jeu de mots, je sais que ça t'aura fait rire, je sais que ça t'aura touché dans le fond parce que tu restes un enfant dans le fond et c'est ça qui est beau, Ami, tu t'émerveilles tout. Ou alors Ami, t'es pas du tout team jeu de mots, ou en tout cas t'es team jeu de mots, mais avec de l'exigence, dans ce cas-là t'es dans le camp Carlito, le camp des cérébraux, le camp des mecs intelligents. Connard, intelligents. Des connards. Voilà, allez, salut mon ami. Hamza, nous sommes là pour toi, nous ne t'oublions pas, même si par revoir, nous pensons à différents plats qui viennent manger notre esprit. Et après j'oublie tout, j'oublie carrément même d'aller chercher ma fille à l'école parce que j'ai envie de penser à des trucs pour manger, ça te gratte là, tu veux que je te gratte. Ah ça y est, c'est bon, on enlève ta main, s'il te plaît. Hamza, c'était McFly et Carlito pour toi, on espère que ça t'aura plu, c'est unique cette vidéo. Hamza quoi? Mince! À la fin! Mais il a juste cliqué, hein. Oh là là! Bonsoir Anissa, c'est McFly et Carlito! Paix et amour sur ton être et tout ton entourage.
C'est presque, presque ostentatoire. C'est pas... Mais bon, on va dire que le message est hyper beau. Ce qu'on veut te dire, c'est crois en toi. Rappelle-toi que, au fond, tu es parfaite et ne laisse personne te juger. Ok, Anissa? Bisous. Salut Anna, c'est McFly et Carlito. Le saviez-tu? Tu as le même prénom que la sœur de Elsa dans La Reine des Neiges. Mec, c'est horrible, tout le monde doit lui dire tout le temps, vraiment. Eh, pardon. Là, c'est... Non, là, non. Elle prend la vidéo et tu lui donnes une info qui doit la faire yash. Après, peut-être pas. Anna, elle est quand même très cool. Enfin, je veux dire... Je parle pas de... Tu changes de sujet. T'aimes pas Anna? T'aimes pas Anna? Ça me saoule. Mais t'es horrible. Incroyable. Je te parle pas de ça. C'est un des meilleurs persos. Mais je sais! D'ailleurs... Les gens doivent te... Non, tu non, tu non, n'es... Non. Voilà, tu n'es... Anna, je te préviens. C'est elle l'héroïne de La Reine des Neiges. C'est pas Elsa. On pense que c'est Moi, Elsa, mais pas c'est dans Anna. Les conflits de... C'est Anna l'héroïne, la vraie tu héroïne. Tu vaux mieux que ce personnage. Tu es toi, et c'est déjà bien assez. Mais critique pas Anna! Hans. Évidemment qu'on allait faire ton prénom, mais t'as cru qu'on allait faire juste Pierre-Paul Patrick, oh? Ou Thierry, Francic, oui, oui. Pantache, Bulldog, Frisade, allez, dis un truc normal. Arki. Dis un truc normal, là, allez, dis un truc normal, Moldave, là, s'il te plaît. Moldave. Non, mais allez, là, dis-lui un truc normal. Hans, Hans, bah, je t'aime, libère-toi, quoi, de finalement, de cette oppression. Tue le père, voilà ce que j'ai envie de te dire, Hans, tue le père. Non, putain. Mais si, si, écoute bien, tue le père, ça veut pas dire va tuer le père, physiquement. C'est-à-dire, libère-toi de ce schéma paternel qui peut être installé et crée ton propre schéma. C'est ça, le tue le père. Évidemment, ça veut pas dire... Après, si tu peux mettre fin au jour de ton père. Salut, Hans. Harold, lorsque tu as fait cette... Ici, McFly et Carlito. Attends, j'ai pas fini ma phrase. Ah, pardon. Lorsque tu as fait ce blocage... Ouh. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent bon. Bah oui, ça sent le gel, quoi. Bon, bref. Oublie ce que j'ai dit avant. Harold... ne mélange pas toujours forcément le... C'est du gel, mais c'est du gel pour les bœufs. Mais mec, c'est horrible, c'est Harold à 7-8 ans. Pardon. C'est horrible. Oublie. Harold. Harold. Bon, Harold, on va faire simple. Si tu as moins de la majorité sexuelle, tu ne regardes pas cette vidéo. Ce n'est pas arrivé. Là, tu le dis après. Ah. Oui. Et si tu as plus, c'est d'autant plus que tu veux. Voilà, tout simplement. Ok. On fait ça, c'est notre petit contrat. Ça marche. Haroun, nous on est plutôt de la team des winners et on est aussi parfois de la team des perdants. Ça dépend des jours, hein. J'espère que toi, pareil. McFly, tu veux pas juste dire salut Haroun, merci d'être là. Salut Haroun, merci d'être là pour nous, merci de suivre nos vidéos, ça nous fait très plaisir de faire cette vidéo en retour. C'est la moindre des choses, c'est un remerciement bien normal pour tout ce que vous nous offrez et ce que tu nous offres, toi. C'est vrai. Merci beaucoup, mec. On t'embrasse, on te salue, on espère que ça va bien. Harry, oui, c'est dur de pas évoquer ce qu'on a tous en tête. La salsa? La salsa, la sauce salsa. Ah, je pensais à la danse. Ah non, non, bah moi quand tu me parles d'un truc, c'est souvent lié à une sauce. Hein. D'accord. On trouve toujours une sauce cachée derrière, tu vois, par exemple, un contrôle de maths, c'est une sauce. Hey! Harry, petite vidéo pour toi, un grand plaisir de te compter parmi nos amis, nos amants peut-être, on ne sait pas. Laissons-nous une chance, laissons les portes ouvertes, on ne sait pas par où le vent peut s'incruster. Salut Harry. Arrête de taper sur la table pendant que tu pars. Fais-le. Entre les prises. Hassan, ici McFly et Carlito pour toi. À la base, ça, c'était autour d'un livre. Et on l'a déchiré parce que nous ne sommes pas très consciencieux avec le matériel. Mais ça veut dire aussi... Oh, j'aimerais bien manger le bureau après, d'ailleurs. Ouais, on va faire ça, bien sûr. En 2 ans, on voulait juste passer un gros big up de l'amitié fraternelle et au sens humaniste. Hein. On n'est pas vraiment frères, je veux dire, mais on est frères. On est sur la même planète, vas-y. On y est, ouais, on est potes, on s'apprécie, on t'embrasse fort, mec. Salut, moi, Hassan. À thème. T'as ouvert un parc à thème ou quoi? Non, mais t'imagines, un fait l'humour du garçon. Tu es obligé de dégager. À thème, on t'aime. Oh bah merde, j'ai même pas fait exprès pour ça. Dégage, ah merde, non, mais c'est chiant. À thème, prends soin de toi, continue à faire du sport. J'aime bien que tu sois actif, proactif dans la vie. C'est genre, il se passe des choses et les gens restent assis devant leur télé ou à contempler la chose. Non, proactif, c'est-à-dire, non seulement on parle, mais aussi on agit. Et consciemment, proactif, c'est que c'est pas quelqu'un qui nous oblige. Ok, on le ressent en soi et on y va et c'est génial. À thème, j'espère que tu ne t'es pas fait de blessure, Alain. Oud, alors, c'est McFly et Carlito. Je ne prends pas de coke, je ne prends jamais de drogue, vraiment, sache-le, c'est juste notre énergie naturelle pour... Tu te grattes vraiment là, cette zone-là, devant Oud? Je me suis gratté là, le côté, j'ai le droit de me gratter le côté du corps quand même. Le flanc. Oh, j'ai envie d'un flanc.
On t'embrasse, on te souhaite la meilleure des vies, merci d'être là. Merci. Ouh, je vois que tu souris, je le vois là. Et bah, ça me rend très content. Un flan. Un flan. On va manger un flan. Ah ouais, s'il te plaît. Mais nature, pas avec le flan avec les fruits dedans. Genre le flan avec les groseilles, ça me rend fou. Attention, parce qu'à ce moment-là, ça se rapproche un peu du clafoutis. Et le clafoutis, ah, c'est ce que j'allais dire. Délicieux. Ah, le clafoutis, c'est très bon. C'est comme le cheesecake, quand on met un coulis de fruits rouges. Bah non, vraiment, sinon on fait. Donne un autre nom à ce moment-là. Mais oh, c'est pas si important ce qu'on voulait dire, surtout c'est bisous à toi. Aiden, tu sais. J'ai essayé. Ça parle dans le micro. Ah, pardon. J'ai essayé de faire du sport. Mais enfin. Ça ne me va pas. Ça n'est pas pour nous. Mais peut-être que c'est pour toi. Ah, on te le souhaite. Oh la vache, j'ai un. T'as une acouphène? Non, pas du tout, mais j'ai un. Ça ah, t'as un. Ouais, t'as un brésilien. T'as un. Ouais, t'as. Oui, je vois ce que tu veux dire. T'as une technique. Non, j'ai un peu mal à l'oreille. Regarde, t'as la technique. Depuis plusieurs jours, j'ai mal à l'oreille. Ah, t'es une brandade. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, mec, allez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hector, apprends tes formules géométriques, géographiques, c'est important, et mathématiques également, parce qu'il n'y a pas de formule en géographie. Voilà ce que je voulais te dire. Yeah. J'ai connu Hector. Il était vivant et pas mort. J'arrive pas à faire les deux. Et pas mort. C'est pas mal. Allez, à toi, vas-y. J'ai connu Hector. Il était vivant et pas mort. Quand il fait dodo, il dort. Il n'est pas faibli l'effort. À la banque, il a mis beaucoup d'or, Hector. Il ne s'appelle pas Trevor, il a pas. Très joli corps. Edwige. Ou Edwige. Ça dépend de la prononciation, je pense que. Edwige, hein, je pense. Ça dépend si l'origine est anglaise, anglo-saxonne. Edwige, peut-être. Boring, oh, t'es oh trop à la poubelle, t'es trop à la masse, awkward, ok. En tout cas, on t'embrasse, cette vie, j'en ai là pour toi, pour te faire cette vidéo dédicace. Elle est juste pour toi, cette vidéo, donc n'essaye pas de la revendre au marché noir. Et je vais te faire, je vais te lire. Ça va être long, et puis on avait dit qu'on essayait de faire un peu plus court. Bisous, salut Edwige. Et Léa, ici McFly et Carlito. Quoi, t'as dit le prénom au début, c'est quoi le prénom? Léa. Ouais, mais tu l'as dit un peu genre, Léa, non. Léa. Léa, je veux t'entendre dire, Léa. Allez. Et Léa. Voilà, ça c'est bien. Cette vidéo est juste pour toi. On a décidé de faire ça, ça nous fait très plaisir, en reconnaissance de tout ce que vous, et en l'occurrence toi, nous donnez. Ah, t'es en braille, t'es en quoi là? En morse. En morse, ouais, je confonds, putain, j'ai du braille. Désolé. Salut Léa. Oh, Hélène. Oui. Vas-y. Petite vidéo. Oh, Hélène, alors. Vas-y, je te laisse faire, c'est important. Hélène. Je t'aime très fort, sache que c'est le prénom de ma mère, la personne qui m'a mit au monde, la personne qui m'a mip au monde, la personne qui m'a mig au monde, une je fais les liaisons. Une vraie belle milf. Enfin bon, voilà, Hélène, bonne journée à toi. T'es sûrement une très belle personne. Une personne qui m'a milf au monde. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. On t'embrasse très fort, merci de regarder cette vidéo, merci pour ton soutien, nous te soutenons toute la vie, ok? Pas maintenant, pas juste deux semaines et après on se largue. On te soutient toute la vie, tu comprends? Bisous Hélène et bisous maman si c'est toi qui as téléchargé cette vidéo, car tu t'appelles Hélène, enfin voilà. Bisous Hélène, ouais. Ouais, ouais, mais ça va, là, non. Bah non. Elena, you are the only one, tu es un bijou, je suis Nelson Montfort. Est-ce que j'imite bien Nelson Montfort? Vous? Non, pas du tout. Il y a eu un début. Il y a eu un début, mais ça m'a fait penser à ça. Et demande-moi d'imiter quelqu'un, vas-y, pour Elena, juste pour Elena. Tu vas imiter, laisse-moi réfléchir. Nikos Aliagas. Nikos Aliagas, ok. Salut à tous, c'est Nikos Aliagas. Mais mec, c'est pas Garou. Ah ouais, pardon. Mais je suis nul en imitation. Et tu sais pourquoi, Elena? Parce qu'il ne faut pas imiter. Dans la vie, il faut être soi-même. Et Elena, sois toi-même, c'est tout ce qu'on te dit, et ce sera notre conseil pour toi. Merci à tout. Et attends, et Non, merci pour tout. Oui. Et bisous. Bruitage de fin de vidéo pour toi. Helmut, nous t'oublions pas. Oh, bien joué, McFly. Non, il a volé mon estomac, la partie la plus importante de mon corps. Ouais, il fait comme ça, mon estomac. Je t'avais pris là. Oui, mais mon cœur, mon estomac a mangé mon cœur. On t'aime, beau gosse. Ciao. Héloïse, il n'y a pas de doute, tu es la personne que je préfère lorsque je désire aller par exemple dans la rue et me dire j'aimerais rencontrer quelqu'un de sympathique. Je pense que je tomberai sur toi, Héloïse. Oui, c'est vrai que t'es très gentille. Oui, empathique. Par contre, tu trouves pas. C'est fou l'addiction, pardon, ça me gratte, Héloïse, pardon. Au jus d'orange. Ton addiction au jus d'orange était un peu too much, mais. Je voulais parler de l'addiction au café, Héloïse. Oui, c'est vrai. Je sais pas quel âge t'as là, précisément, j'arrive pas bien à mentaliser, mais fais gaffe parce que c'est vraiment bizarre ce rapport qu'on a au café. Pas trop. Faut faire gaffe. Et bizarrement, le café, juste après le repas, c'est très mauvais. Pour une raison très simple,
ça ouvre le pylore, c'est la petite porte qui est en bas de ton estomac et qui déverse la nourriture prédigérée par l'estomac dans les intestins qui prennent le relais finalement, qui vont couper en plus petits morceaux la nourriture. Et cette porte s'ouvre quand tu bois du café, donc si tu le bois juste après le repas, l'estomac n'a pas eu le temps de découper et de bien digérer, et ça envoie des gros morceaux dans l'intestin, ce qui crée évidemment des gaz, des douleurs, et peut-être à long terme un côlon irritable, etc. Donc je ne te conseille pas de boire un café juste après le repas, mais tu fais bien ce que tu veux. Ah oui, attends, par contre, on n'est pas là pour juger ou ordonner. C'est un conseil, c'est un petit suggestion. Voilà. Henri, que te dire Henri, à part que nous avons énormément de respect pour toi, pour ta personne, pour ta famille, ton entourage, les personnes allez, que allez, tu as côtoyées. Chanson pour Henri, allez, vas-y, impro. Henri, ne mets pas des carrés dans des ronds. J'ai rien, mec, j'ai vraiment rien du tout. Henri, on te kiffe, merci de regarder cette vidéo. Soutien absolu à toi, à ta famille, à ton entourage. Et par contre, ton boucher, putain, qu'est-ce qui pue de la gueule? Henri, dis-lui! Henri, j'espère que tu n'écoutes pas trop de l'Henri. Ça se fait pas de dire ça, pourquoi? Pourquoi? Henri, tu as le droit d'écouter si tu veux du l'Henri. Très bien. Cool. Enrique, tu es forcément sympathique, tu es forcément humain, tu es forcément muni de cellules qui communiquent entre elles, et qui d'ailleurs, c'est assez intéressant à dire quand même, tu carrément plus intéressant ce que je dis. Sache que les cellules communiquent très bien entre elles, on sait pas exactement comment bouge les pas, cellules... Bouge pas, il va faire un bisou, continue. Ok, on sait pas exactement comment les cellules savent comment elles doivent se diviser, mais elles le savent, et c'est ça qui est génial. Tes cellules de pied savent qu'elles doivent faire des cellules de pied et qu'elles se mettent pas à faire des cellules merde. De nez. Parce que si tes, si tes cellules de pied commençaient à faire des cellules de nez, bah mon pote, ça puerait dans tes pieds ou quoi? Bon, c'est très vrai, cela. Mec, passe une très belle journée, une très belle semaine, un très beau mois, une très belle année, une très belle vie, on te kiffe! Et Enzo, ici McFly et Carlito pour toi dans cette vidéo. Effectivement, t'as une belle forme de visage. Tu sais, il est bien construit, Enzo. Oui. Ça ne suffit pas. Il faut pas que tu sois orgueilleux. Ne reste pas sur tes acquis. Voilà, t'es beau gosse, ne reste pas sur tes acquis. Ne fume pas la clope, continue le sport et surtout écoute cette petite chanson. Enzo, est-ce que tu mets du parfum Kenzo? Kenzo, ils font du parfum et aussi des sacs fins, et tout. Ouais. Ah, c'est marrant. Choses, ouais. C'est comme Yamaha. Ouais, Yamaha, c'est très étonnant. Ils font beaucoup de choses. Et on fait des télés, des motos. Ah, ok. Et des guitares, des claviers aussi. Des très très bons claviers. Quand même, il y a des marques qui font beaucoup de choses. Ah, voilà, c'est la conclusion de cette petite vidéo qui n'est destinée qu'à toi. Tu imagines si Geox se mettait à faire, par exemple, je ne sais pas moi, des éclairs au chocolat. Et des plans de chat. Oui, voilà. Herman, tu as cru que parce que tu avais un prénom d'origine germanique, on a... Mais tu nous as pris pour quoi? Pour des racistes de l'Allemagne? Surtout, mec, c'est incroyable ton accent allemand, il est à Herman? Pas du tout! Alors, pour moi, c'est très impérial, hein, malheureusement. Non, mais surtout, c'est Belgique! C'est toujours la Belgique qui revient dans tous tes accents! Bah, vas-y, fais l'accent allemand, fils! Bah, moi, je vais pas le faire, je dirais. Herman? Au rapport, ouais! C'est vrai que tu vois, et puis c'est toujours lié à la guerre, c'est très bizarre, pardon, hein. Excuse-nous, nul, mais... nous sommes à chier! Salut, man! Hermine, ne crois pas ce que l'on dit sur toi dans le village. La place du roi a été acquise par la force et toi tu vas la reprendre car toi tu es le peuple, tu es la plèbe. Alors prends tes forces et à la Bastille, putain! Allez! Non, 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 mais voilà. Allez! Forcément. Ce qu'il veut dire c'est croire en toi et ne laisse personne te dire ce que tu es. Et prends des conseils des gens oui, qui t'aiment bien. Ça pardon, par contre c'est un peu tout peu... match. Mais c'est pas grave, c'est bien, c'était pardon. Pour toi cette petite vidéo. Voilà, plein d'amour en fait. Hervé, évidemment, Hervé est le meilleur personnage de la série 10%, mais toi, tu n'es pas un perso, tu es bien réel, et c'est pour ça que tu as la possibilité, grâce à tes réalités, de voir cette vidéo. On t'aime, on t'apprécie, on a même concocté une petite chanson pour toi. Hervé, j'espère que tu n'as pas la haine, Hervé. Hop là, double jeu de mots. Dans sa mère, là. Pourquoi double? Énervé? Énervé, haine, tu as la haine, oui. Hervé, énervé. Donc, un jeu de mots. Ben non, non, il y en a deux, il y a énervé. Ah oui, il y a un jeu de mots seulement, oui. Hicham, oui, Hicham Janowski est un des meilleurs persos de la série 10%. Mais toi, tu n'es pas un personnage, tu es bien réel. Et c'est pour ça que nous te faisons cette vidéo à toi, rien qu'à toi, pour te dire merci, mon gars. On peut estimer que moins de 30 enfants seront prénommés ainsi en 2019. Hein, donc là, quand même, on est sur une... Ça descend un peu les Hicham. Les Hicham deviennent uniques. Vraiment, il y en a de moins en moins. Du coup, toi, tu deviens de plus en plus unique, tout simplement. Donc voilà, Hicham, nous on t'oublie pas. Il peut y en avoir que 30, on les oublie pas. Et toi, on t'oublie pas. Salut, t'es une étoile dans mon cœur. Hicham, bisous à toi. Et lorsque je dis bisous, je veux dire un poutou. Évidemment, je veux dire un béco. Un smacou, potentiellement une visette.
Bon allez mec, ferme-la, dis-lui des trucs normaux et sensés. J'ai rien qui vient de normal là. Moi j'ai un truc. Vas-y. La fourme d'Amber, c'est délicieux ou pas? Non. Salut Hichem. Hilario, McFly et Carlito sont là pour toi, on ne t'oublie pas, on adore ce prénom. Moi j'aimerais bien appeler mon huître de compagnie comme ça, car j'ai une huître de compagnie qui se balade toujours avec moi. Ah c'est génial, ah bah non, elle se balade pas. Tu l'amènes. Elle se balade pas. Bien, elle fait sa life. Attends, moi je contrôle pas les gens, les choses. Hein. C'est une huître de compagnie qu'on s'entend, qui vient avec moi. Je parle pas là-dedans. Et souvent le soir, elle me fait des petits plats. Je ne parle pas de morale, je parle de mécanique pure. Bœuf bourguignon. Je parle de mécanique pure, elle ne peut pas se balader. Très bien, là c'est du jugement, c'est très dur ce que tu dis. Mais non, mais justement pas du tout. Tu te ravises. Elle ne peut pas avancer. Elle s'appelle donc. C'est la nature. C'est bien au-dessus de toi. Le soir, on va danser, on va en danser. C'est impossible. Si tu la prends, avec toi. Elle va, elle danse toute seule sur la piste. Elle est là et tout le monde est autour. Allez là. Ah putain, elle est trop vif. Salut. Imad, quelle est ta série préférée? Moi, c'est Malcolm. J'aime beaucoup cette série. Et toi? Quelle est ta série préférée? En tout cas, moi, c'est Malcolm. Donc, n'hésite pas à me partager ta série préférée. Et si tu me demandes, je te répondrai que ma série préférée... Mais ta gueule! Putain! Salut, Imad. Hippolyte, ici McFly Carlito. Non, désolé. Je suis Bradley Cooper. Enchanté. Alors, ici Carlito et Bradley Cooper. Ça va, bravo. Bravo pour votre carrière. C'est bien, bravo pour Star is Born, mais... Ouais. Happiness Therapy, bien sûr, excellent. Ah, même le truc, c'est quand j'avais bouffé le petit truc, la petite, puis ça avait explosé dans mon cerveau. Là. Ah, c'était quoi ? Le film, enfin, que tu connais. Pardon, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, on voulait. Il n'y a plus beaucoup de place sur la carte, juste dire merci. Donc, Brad et moi, c'est McFly. Bradley. McFly n'a pas pu venir. Je m'en fous, je suis Bradley. Il est pas comme ça, il est bien. McFly n'a pas pu venir parce qu'il est fatigué, il a ses enfants qui dorment très mal et on respecte ça. Bradley Cooper, it's me. Trop bien, la chanson avec Lady Gaga. Hey, Star is Born. Non, le film, ça c'est... Bon, c'est pas grave. Bisous à toi. Bradley. Allez, je coupe, il n'y a plus de carte, d'accord? Pour toi, Bradley, uniquement pour toi. Allez, salut. Salut, mon pote. McFly? Ouais. Issa. Parlons des ressemblances entre One Piece et Dragon Ball Z, en commençant par les personnages et leur psychologie. Évidemment, Luffy ressemble extrêmement à Goku, et pourtant je préfère One Piece, hein, mais j'adore Dragon Ball, dans le sens où ce héros naïf adore manger, et n'a qu'une seule idée fixe, devenir le meilleur, ou en l'occurrence, trouver le trésor en tout cas, c'est quand même très proche. Est-ce que c'est mal? Ça veut dire que c'est moi Luffy? C'est moi son Goku? J'adore manger, mec, pareil que. Oui, mais par contre, t'as pas. Ah, je suis pareil que, mec, si j'adore manger. Ils adorent manger. Oui, mais attends, Homer aussi, il adore manger. Homer Simpson, il adore manger. Ah! Est-ce que Luffy adore manger? Oui. Est-ce que Son Goku adore manger? Oui. Est-ce que moi j'adore manger? Oui. Donc, je suis Son Goku et Luffy. Voilà! Voilà, Issa, je suis Luffy et Son Goku. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. C'est le pire sophisme que j'ai entendu de ma vie. Issa, très heureux de faire cette vidéo pour toi. Parlons ici des ressemblances entre One Piece et Dragon Ball Z, notamment le personnage principal féminin. On va parler de Bulma et on va comparer à Nami. Eh oui, elles se ressemblent, elles sont déjà évidemment très belles et surtout ont une personnalité très exacerbée dans le genre, en gros, faut pas me faire chier. Pardon. J'ai pas fini mon truc. Mais c'est Bah à la limite, contactez-vous en privé et parlez de ça. Ça se trouve, ils s'en bat les couilles de Dragon Ball. Je pense qu'ils kiffent ces deux licences. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Aïe, bisous Issam. Omar, ici McFly et Carlito, tellement heureux de pouvoir te faire cette vidéo. C'est une aventure folle ce que nous sommes en train de vivre, cette aventure des prénoms. Et on est très heureux de pouvoir arriver à Omar. Et finalement, le sens de la vie... Je trouvais le sens de la raison qui m'entraîne. À chaque pas sur le devant de la scène, je trouve le sens de la vie que je mène et je l'aime. C'était Tal pour toi. Homer, ici McFly et Carlito pour toi. Pour qui? Pour toi, l'Astérix. Parlons-en de l'Astérisque. L'Astérix ou l'Astérisque? L'Astérisque. Ok, bah c'est l'Astérix, pas si utile, je trouve. Bien sûr que oui. Très utile, l'Astérisque. Très très utile. Je viens de changer d'avis, alors bienvenue dans c'était l'émission, je change d'avis sur un sujet très rapidement. Donc Homer, cette vidéo juste pour toi, on espère que ça t'a plu. Après c'est pas tant le contenu, faut pas juger, juste plutôt l'initiative. Après, alors,
C'est comme les gens disent, c'est la volonté qui compte. C'est quoi l'expression? Le geste. C'est le geste qui compte. Ouais, le bris de mots. Je suis pas d'accord avec ce proverbe parce que déjà le geste peut être faux, mal intentionné. Et en plus, souvent, tu peux. Ça se trouve, c'est la merde ce que tu fais. Donc, je sais plus où j'en suis là. Oh la vache! Bien sûr, il y a quelque chose de très particulier au maire. On ne pourrait pas vraiment définir si c'était bien ou mauvais, mais on dirait quand même que c'est mauvais. Bisous. Honoré, nous sommes très contents de te rencontrer. Je dirais même plus que nous sommes enchantés de faire cette vidéo juste pour toi. C'est vraiment super. Ah non, j'ai pas réussi, tu vois. C'est pas grave. Sur ce coup, j'ai pas pris le. Oh là, ça me regrette. Ça va être super intéressant pour Honoré en tout cas. Bah gros bisous pour toi et gros bisous à toi. Ça non, les deux à la fois, tu prends les deux, tu en fais ce que tu veux. Un petit collier de bisous peut-être. Salut Honoré. Honorine, évidemment que c'est un honneur, et tu me diras que c'est un peu facile, mais quand même c'est un honneur pour nous de faire cette vidéo pour toi exclusivement. Alors je vais faire un salut de fin de spectacle pour toi Honorine. Même du mal à faire ça tellement je suis pas souple. Mais bon, Honorine, c'était pour toi un cadeau. Hortense, ce qui Cher est important, Hortense, c'est de savoir qu'il y a un début et une c'est fin à chaque chose. De ne pas se et marcher ce dessus. Ce chemin, finalement, si est important. Si tu as des copains et des copines, ne parle pas en même temps que la destination. C'est terrible, car on donc ne peut n'oublie rien pas, comprendre. Ça, remets-le au fond. Je n'aime Merci pas trop à toi, les yaourts lorsqu'il y a du soja dedans. Gardez cette vidéo et la sortir au moment où tu serais mal. J'ai mangé chez des amis ce week-end et j'ai rajouté beaucoup de sel et de poivre. Car ça Salut n'était à pas toi. Assez bon. Bisous. Ouria. Elle se disait, je vais aller sur le site et je suis sûr qu'il n'y aura pas mon prénom. Mais oh. Et où Tu nous prends pour qui? Ah, siffler, c'est terrible. Ah, ne siffle pas, c'est terrible, terrible. Ah, tu m'as pété le cerveau, je te jure, j'étais bien sur Ouria. Ah ouais, t'aimes pas les oiseaux? T'aimes pas les oiseaux, toi? J'aime pas du tout les sons aigus, en fait. Eh bah oui, mais moi, je suis un oiseau. Et je pense que Ouria c'est un oiseau aussi. On est tous des oiseaux dans nos cœurs et laisse cet oiseau s'envoler, se libérer. Non mais juste sois, voilà, sois cool, sois libre. Sors de ta cage, Ouria, sors de ta cage. Existe, prouve que tu existes. C'est pas ça les paroles de la chanson. Hubert, le prénom de mon grand-père. C'est le grand-père. Ouais, bon, Coucou Hubert. D'accord, yes. Hubert c'était le prénom de mon grand-père qui m'a donné envie de faire des blagues. Qui était tout le temps en train de faire un arrêt, le con. Et du coup il m'a donné cet amour de l'humour. Donc merci Hubert, je pense que Hubert tu as toujours cette petite folie, cette petite, ce petit truc, ouais, dans le regard, non Hubert, non. Ah merde, je crois que t'es parti tôt, et qu'on a eu un buzz gag. Et bah là tu as le droit de faire un petit peu de montage. Carlito est sur son téléphone, mais moi je le pardonne complètement, je ne lui en veux pas du tout, je ne fais pas remarquer afin que ce soit bien gênant pour tout le monde. Hugo, on arrive enfin à toi Hugo. Mec, c'est vraiment... C'est fou que tu fasses ça, quand même. Ça veut dire énormément de choses. Ah bah, t'es tout dans les symboles. Bah, dis donc, si on commence par là, t'es mal barré, mon pote. La vache, là, le symbole est très clair. Hugo, car c'est de Hugo qu'il s'agit et pas de prénom. Nous t'embrassons, nous faisons cette vidéo pour toi. Et tes jolis sourcils, car tu as des sourcils particulièrement marqués, très sibyllins. Nous t'embrassons, mon loulou. Salut, Hugo. Hugues, regarde. Allez, mon gars. Allez, mon poulain. C'est parti, tu t'entraînes. T'es chaud. C'est fini. Ah non mec, on vient de commencer l'an. Ah ouais là, ah, là ça pèse, ah, ouais, ça pèse, sortir des ça trucs. Pèse dans les gens. Ok bon bah, oh, Hugues, on n'aura pas de champion aujourd'hui, mais peut-être que c'est toi le champion. Alors il n'y en a pas deux. Quand toi t'es sur le ring, il n'y a personne d'autre. Garde ça au fond de toi dans ton cœur. Ouais mais il faut que tu bosses un peu ton cardio. Salut mon Hugues, on t'embrasse fort, ça va? Je suis mort. Tu veux prendre du magnésium? Ouais. Oh la vache. Huma. Nous sommes là pour toi, je sais pas si on dit Huma ou Uma, peut-être ça dépend de Moi je suis pas assez non plus, je sais pas, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'on te kiffe. Merci beaucoup d'être là pour nous, nous on est là pour toi dans cette vidéo spéciale. Enregistre-la. Si tu perds le disque dur, bah elle sera toujours dispo en fait. Donc pas de soucis. Hussein, on est là pour toi, on n'oublie pas les Hussein, on les porte dans nos cœurs là ici, juste à côté de l'artère aorte. En fait finalement il y a une petite... Moi j'étais nul en SVT, ça m'a pas empêché de devenir youtubeur. C'est normal car à moins que tu sois un youtubeur SVT, oui, voilà. C'est pas utile. Autrement dit, les scores, les notes, les remarques, les observations, les jugements, on en fait fi. Et on passe outre. Les gens, par exemple, moi, me jugent sur la manière dont je parle. Ils me disent oh là là, t'es lent, t'es chiant. Et moi, je leur dis hyper lent, t'es hyper chiant, mec. Hussein, on t'embrasse, on espère que cette vidéo t'aura plu. Elle est unique. Elle est. Oh.
Yacine, salut mon beau, très, très beau garçon, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est une force. N'en deviens pas orgueilleux pour autant, reste humble, McFly, qu'as-tu à dire Yacine? Envoie le contrat frère, je veux dire, on avait prévu un octogone sans règle avec toi depuis des mois, on a demandé un grec, on a demandé une sauce samouraï sans frites, amenée par une random girl, et toi tu le fais pas, t'envoies pas le contrat, t'envoies Tunis, bah oui mais normal qu'on réponde non. Mais pourquoi Tunis non? Pourquoi pas, je comprends pas, c'est vraiment mais juste c'est parce que j'ai pas envie de le faire ce combat dans le fond, ça me fait un peu peur. Ah. Peur? Voilà, salut Yacine. Yacinthe, H-I-A-I-Saint-Saint. Y-H-A-Y. On est là pour toi aussi, on n'oublie pas ton prénom, et regarde, j'ai fait tourner ça sur mes doigts, comme bon, je l'ai appris à l'école. T'sais, dans les... Comme nous tous. Ouais, mais moi je le fais très bien. Vas-y. Pardon. Très bonne vie. Oui, Yacinthe. Et puis même quand tu mourras, très bonne très mort. Bonne mort. Mais pas tout de suite, enfin, non. À la limite, quand tu le désires, si ça peut arriver quand tu désires, et si tu le désires pas, donc ça n'arrive pas. C'est-à-dire que ça n'arrive jamais, voilà, tiens, hop. Eh, tiens, hop. Immortel. Comme ça. T'es immortel. C'est bon, salut.